Ah, est-ce que vous entendez là maintenant? Je viens de voir qu'il y avait un problème de son, les amis. Ça devrait être bon là. Désolé pour ça. Du coup, je parlais tout seul. Vous m'avez vu sans m'entendre. C'est pas grave, on continue. Je vous proposais de faire Ujjayi, d'inspirer. Les muscles de la gorge sont serrés. J'inspire en faisant ce bruit. On sent le frottement. J'expire. En sentant le frottement de l'air aussi à chaque expiration. Ujjayi permet de stimuler le sinus carotidien, permet de relâcher, de se déstresser, de stimuler le nerf vague. Je prends conscience du poids de mes fesses au sol, je prends conscience du poids de mes jambes au sol, je prends conscience du poids de mes mains sur mes cuisses. Je prends conscience du poids de ma tête sur la colonne. J'en profite pour réajuster une jolie posture suspendue. Et je prends conscience des micro-balancements tranquillement de mon tronc, de ma colonne vertébrale, des micro-mouvements qui rattrapent l'équilibre. Et je souris. Reprenez conscience de votre respiration, du ventre qui relâchait, et peut-être faites un point avec votre état d'esprit, avec les pensées, les émotions qui traversent, peut-être la petite frustration de ne pas m'avoir entendu, et puis moi, pour moi, la petite frustration de ne pas avoir vu vos messages, qui avait un souci avec le micro. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que comment j'ai géré ça? Ça n'a pas marché comme je le souhaitais. Ça n'a pas marché comme vous le souhaitiez au début. Qu'est-ce qu'on fait de cette réalité? Quel est le cadeau qu'il y a derrière ça? Ceux qui sont restés. On est toujours très nombreux. Qu'est-ce que m'a fait vivre cette petite frustration, le fait de ne pas comprendre? Comment j'ai réagi, ça me permet de faire un point avec moi-même sur quelque chose qui n'est pas très important, c'est une séance pour soi, j'avais pas le son. Comment j'ai dealé avec ça? Comment j'ai Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que je me suis dit? Vous savez que je vous parle souvent d'hormèse, et bien là c'est le moment de voir, tiens, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Au départ, je suis resté et qu'est-ce que j'ai fait du coup pendant 10 minutes en ayant juste la lumière sans avoir le son? Ça, c'est très intéressant. Et je vous invite tranquillement, une fois que vous avez fait émerger une pensée, une émotion, eh bien d'inspirer et de soupirer pour relâcher. Revenir encore plus dans son chakra base, revenir dans son bassin en soupirant. Et puis, selon que c'est positif ou pas, ou peut-être vous avez toujours une émotion de frustration ou des pensées de voilà qui étaient plus négatives d'avoir la lumière et pas le son. Eh bien, je vous propose, avant de rouvrir les yeux, de me dire, tiens, quelle est la leçon que j'ai pu apprendre sur moi
le fait d'avoir persisté pendant 10 minutes, de ne pas avoir de son, d'avoir juste l'image, de tiens, qu'est-ce que j'en ai fait de ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça m'a appris? Quel a été le cadeau derrière? Est-ce que c'était peut-être rigolo ou pas? De voir que je me rendais pas compte. Et moi, je me pose aussi la question pour moi-même, tiens, effectivement, j'ai pas vu que le micro n'était pas allumé. Comment on transforme ça? Et puis, on va ouvrir les yeux tranquillement et on va bâiller. Tranquillement, bâiller comme une fleur de l'intérieur vers l'extérieur. Oh, laissez vos mains frotter où elles ont envie pour relâcher la fatigue nerveuse. Et puis, je vous invite à me mettre dans le chat. Ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que je trouve qu'il y a un enseignement à chaque moment de la vie. Victoria me dit la persévérance. Olive, mon Olive, ça l'a fait sourire. Dorothée aussi. Super. Mais je trouve ça vraiment génial parce que là, il n'y a pas d'impact. Et pourtant, on peut avoir, il y a des pensées peut-être d'énervement, peut-être de frustration. Il y a des émotions qui peuvent arriver. Et je trouve ça super d'utiliser ces moments-là où il n'y a pas vraiment d'enjeu pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et comment on arrive à transformer ça. L'humour, c'est vraiment un chouette moyen de faire une culbute. Je vous l'ai dit plusieurs fois aussi, et je vous propose là, quel est le cadeau derrière ça? L'idée, c'est pas d'avoir une réponse maintenant tout de suite. Vous savez que la qualité de nos vies, c'est hyper important dans tout ce que je partage dans le pilier du mindset, de l'état d'esprit. La qualité de nos vies dépend de la qualité des questions qu'on se pose. Donc, c'est pas tant la réponse maintenant, mais en tout cas, c'est de reformuler ce qui a pu clocher dans votre journée aujourd'hui. Vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui a cloché dans ma journée aujourd'hui? Et comment je peux le transformer en disant, bah tiens, quel a été le cadeau derrière ça? Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Comment je peux alchimiser ça? Et vous allez voir que si vous le faites tous les jours, c'est comme ça que vous allez complètement recréer de nouvelles autoroutes neuronales. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et encore une fois, les amis, de rire de nos bêtises, de rire de nous, de pas se prendre au sérieux, c'est quelque chose qui fait tomber énormément le stress. Je vous partage quelque chose un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Vadim Zeland. C'est une des lectures qui a contribué à changer ma vie. Ça s'appelle Reality Transurfing, la réalité du transurfing. Je vous recommande vraiment. Et il y a un des trucs qui est génial dans cet auteur qui explique à sa façon la loi de l'attraction avec la physique quantique, c'est de baisser l'importance des choses. Quand on accorde énormément d'importance à quelque chose, c'est excessivement stressant pour nous. Et il y a ce qu'on appelle des balanciers qui viennent rééquilibrer. Ça crée un potentiel énergétique qui veut absolument, la vie veut faire baisser l'importance. Donc, le fait qu'on rit de nous, qu'on se dise au final, c'est pas très grave. Vous allez voir que ça, c'est une des clés aussi pour lâcher le stress dans sa vie. Donc, au final, c'est un truc qui est top. Qu'est-ce que tu me dis, Maléti? La patience est tellement contente lorsque ça marche de nouveau. Dorothe me dit la patience d'attendre que tu ouvres les yeux. Yes. Noémie, confiance pour la suite. Martine, sourire, cool et patience. Mais en tout cas, ça me permet de vous partager quelque chose qui est très chouette sur les choses qui marchent pas comme vous voulez dans votre vie. Regardez le niveau d'importance et de gravité que vous leur accordez et regardez la quantité de stress que ça génère. Quand on arrive à relativiser et à baisser l'importance des choses en se disant bah, « au final, je suis en bonne santé, au final, j'ai une maison, au final, j'ai une famille », peu importe ce qui est dans votre vie, vous allez voir que ça va relâcher énormément les choses et ça, c'est quelque chose de très important. Et la leçon de ce soir, c'est qu'on peut commencer à apprendre à partir des petites choses. On va aller se mettre contre notre mur, les amis, c'est bien. On va aller relâcher le bas et le haut de son dos d'ailleurs. On colle les fesses contre le mur, on tend les mains derrière, on rentre le menton, on aspire le nombril, on tire les mains, on tire les pieds vers le haut,
On tire, on rentre. Et on relâche. Quand on relâche, on oscille le bassin. C'est bien, ça a permis de faire un point sur le pilier du mindset, l'importance des choses, la qualité des questions qu'on se pose, comment on transforme ce qui ne va pas. C'est plutôt chouette ça. On retire encore les jambes, on tire les mains, on rentre le menton, on aspire le nombril, on tire, on tire, on tire, on tire. Et on relâche, on oscille le bassin de nouveau. On va tirer que le côté droit, main droite, bras droit. J'ai dit main droite et pied droit, pardon. On tire, on tire, on tire le plus possible. On rentre le menton, on rentre le nombril, on relâche. Superbe. On tire à gauche. On tire à gauche. On rentre le menton, on rentre le nombril, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et on relâche. Superbe. On va tirer jambe gauche, bras droit, on tire, jambe gauche, bras droit, on tire, 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 et on relâche. Fantastique. On oscille le bassin, on tire, bras droit, jambe gauche, on tire, 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 et on relâche. On oscille le bassin. Allez, une dernière fois, les deux jambes, les deux bras. Tirez le plus possible, allez, tirez, tirez, rentrez le menton. Aspirez le nombril, on tire et on relâche. Splendide. On fait trois grandes respirations avec le ventre, on reste dans une position passive. Gonfle le ventre, souffle. Inspire, gonfle. Souffle. Inspire, gonfle. Souffle. On écarte les bras en V, on écarte les jambes. Allez, on écarte en abduction le plus possible. On écartèle les mains à droite, à gauche. On plaque les genoux si possible. On rentre le menton, on aspire le nombril. On fait des micro-respirations. On s'étale comme une crêpe. On tire, on tire, on tire, on tire. Et on relâche tranquillement. La tension, on reste dans cette position, on inspire de nouveau le ventre, on gonfle le ventre, on souffle, inspire, gonfle, souffle, inspire, gonfle, souffle, super, on replie les jambes tranquillement. On ouvre sur le côté, on tend la main gauche, on attrape son aisselle gauche avec la main droite et on gonfle le flanc gauche, inspire, regarde à gauche. Encore, inspire. Inspire. On plie et on change de côté, on ouvre la main droite. Jambe à gauche, j'attrape mon aisselle, j'inspire. Inspire. Gonfle le flanc droit. Inspire. Et on revient tranquillement, tout doucement. Magnifique. Superbe, les amis. Hop. Comment ça va? Coucou Dominique, coucou Martine, coucou ma Viviane, pendant que j'y pense Dorothée, bon anniversaire à ta fille, je vois ton message, hop, on va se mettre en petite sirène les amis comme ceci, petite sirène décomplétée avec un pied comme ça, ceux qui n'arrivent pas, vous pouvez aussi mettre les mains au sol tranquillement et vous essayez de vous rapprocher le plus possible d'un tronc vertical comme ceci. On va inspirer. On va essayer de faire du hula hoop. J'inspire, je gonfle le ventre et je fais un cercle horizontal comme ça. J'inspire. Et je vais mobiliser toute ma colonne et toutes mes côtes en imaginant que mon nombril il fait un cercle comme ça. J'inspire, on gonfle le ventre. Je souffle, je rentre le nombril et je vais faire la partie postérieure du cercle. Je change de sens, j'essaie.
Je peux aussi faire mon mouvement de danse du ventre en ayant les mains au sol si j'ai un petit peu mal et que ma flexibilité, ma mobilité ne me permet pas ça. Tranquillement, je vais changer de l'autre côté. Essayez de changer sans les mains si vous pouvez. Voir comment j'agence mon corps quand je fais passer mes genoux devant et du coup que j'arrondis mon dos, je peux mettre mes mains devant pour faire un levier au sol. D'accord? Si vous, vraiment c'est difficile, mettez vos mains, faites de l'escalade horizontale et tournez. Faites ça avec moi 2-3 fois. Ça vous masse les fesses, ça vous masse les ischions et ça permet de travailler une mobilité qui est très intéressante, la rotation interne du coxo-fémoral. Ceux d'entre vous qui ont des problèmes d'arthrose de hanche ou des problèmes de hanche tout court, ça fait extrêmement du bien. Donc, on se met comme ça. Je me remets face à vous pour que vous me voyez. Là, en sirène décomplétée et tranquillement, je fais ce que je peux. Encore une fois, vous avez le droit de faire ça. J'inspire, je gonfle mon ventre. Là, je vais un petit peu vite pour que vous ayez un visuel au niveau de vos neurones miroirs. J'inspire et je fais la danse du ventre, les amis. Après, je ralentis, voilà. Je vais libérer un petit peu mes flancs. Je vais libérer ma colonne lombaire, ma cage thoracique. Magnifique. Ensuite, on va essayer de passer sur les genoux sans les mains, comme ceci. Si vous n'arrivez pas, mettez-vous en avant, posez les mains et on va se mettre en seiza, comme ceci. Là, je me tourne là. Et tranquillement, pareil, j'inspire et je souffle. Vous allez moins vite que moi, mais c'est pour vous montrer, pour faire ce mouvement-là. Si tu as trop mal au genou, peu importe, des problèmes de gonarthrose, on peut le faire aussi genou tendu, genou dressé. On peut aussi le faire en étant à quatre pattes comme ceci, là. Du coup, on a moins de poids sur les genoux. Essayez, vous pouvez même mettre un gros coussin entre les pieds, entre les talons et les fessiers. Vous vous adaptez, vous connaissez le truc maintenant. Et je viens mobiliser en inspirant et en soufflant tranquillement. Magnifique. Maintenant, on va repasser sur les fesses. Essayez de passer sans les mains sur le côté. Je fais un levier de poids, je passe sur le côté. Tiens, on va le faire de l'autre côté, on revient. On essaye 2-3 fois de jouer comme ça, faites la vaillinée comme ça, hop, et voir ce que ça donne. Vous sentez l'étirement qu'il y a ici. Et tranquillement, on va essayer de passer sur les fesses et s'asseoir en Sukhasana, assis tailleur comme ceci, là. On va essayer quand on est là de venir rouler pour faire toucher les genoux. Ça, ça stimule certains points d'acupuncture. Avec de la pression que vous avez d'un tibia sur l'autre, d'une jambe, venez essayer de vous redresser comme ceci. Vous pouvez aussi vous aider avec les jambes. Tirez les hanches vers l'avant. Et on va décroiser, et on va recroiser de l'autre côté, tranquillement, là. Et pareil, on va essayer de venir se redresser ici, faire une légère extension du bassin, la colonne lombaire, et on va se rasseoir tranquillement. Encore une fois, on essaye, on fait ce qu'on peut, et on revient tranquillement. Et dans cette position, pareil, on va essayer d'inspirer et faire une petite danse du ventre, aller plus lentement que moi, c'est pour vous montrer simplement, pour aller libérer les zones de tension au niveau de la colonne lombaire, et puis pour aller aussi faire un massage des organes internes, les amis, ça c'est bon ça. Et on stimule aussi tout le retour lymphatique avec la grosse réserve lymphatique que vous avez ici qu'on appelle la citerne de Pequet. Magnifique, on revient tranquille au bilou, les amis. Splendide. La vaillinée fait mal aux genoux et aux hanches, Nelly. N'hésite pas, Nelly, à mettre les mains et à faire ce que tu peux. Tu peux mettre des coussins sous les genoux aussi, progressivement, et tu vas voir que progressivement, c'est un super massage de faire ça. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. On va de nouveau, les amis, se resuspendre
On revient à soi, on essaye là, sur la fin de la séance, de claque. Quand on décide de se reconnecter à soi, pouf, on ferme les yeux, on pense aux petits cheveux, le menton rentre, et je reviens tranquillement sur la respiration abdominale. Vous pouvez mettre vos mains sur le ventre. Les épaules sont détendues, mettez les mains sur le ventre et intégrez ce qu'on a fait aujourd'hui. Intégrez les sensations que vous avez, le fait qu'on vient de se stimuler. Est-ce que je sens des vibrations sur ma peau autour de moi? Est-ce que je sens ma température qui a augmenté? Est-ce que je me sens plus relâché? Et puis on va inspirer, soupirer deux fois, calmement. Et puis on va penser à une gratitude qu'on a pour quelqu'un qu'on a dans sa vie. Je vous invite à contacter vos mains sur le ventre, à penser à une personne que vous aimez, à une personne qui est importante pour vous, et simplement de remercier dans votre cœur d'avoir cette personne dans votre vie. Prenez le temps, ça peut être un parent, un ami, un enfant. Pour vibrer, ressentir de l'amour et de la gratitude pour cette personne. Et une fois que vous l'avez, cette pensée, vous l'inspirez plusieurs fois pour vous nourrir, nourrir vos cellules qui en ont bien besoin, nourrir votre corps, nourrir nos corps. Et puis on va rouvrir les yeux tranquillement avec un joli sourire, les amis. Et vous allez me... Je vous invite à me partager dans le chat pour qui vous avez vibré de l'amour. Est-ce que c'est votre conjoint, votre fils, votre fille, votre maman, votre meilleur ami, votre animal préféré, peu importe, dites-moi. Olive me dit, j'adore cet exercice de mobilité. Yes, mon Olive, ça fait extrêmement du bien, extrêmement du bien. Mettez-moi dans le chat, les amis. Vous êtes toujours très nombreux, ça fait plaisir. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous, les amis. Je vous invite à aller vous inscrire sur notre site internet lifeforcewithyou.com si ce n'est pas encore fait. Le dimanche, vous recevez toujours une petite vidéo que je fais avec des conseils santé vitalité. Je vous invite à vous procurer bien sûr mon livre Revive, 356 pages de pur bonheur, les amis. J'ai pris énormément de plaisir à l'écrire. J'espère que vous prendrez énormément de plaisir à le lire. Énormément de conseils sur la gestion du stress, sur les principes de la santé, de la vitalité et la raison d'être. Et il y a un super pack avec notre formation vidéo, les fondations pour vous auto-coacher, les amis. Je vous invite à voir aussi notre formation sur le sommeil qui est sur notre site internet, qui est très chouette. Si vous avez des problèmes avec le sommeil, je vous la recommande chaudement, les amis. Et je vous invite à visiter notre page Tipeee aussi si vous souhaitez nous soutenir pour le projet qu'on a d'amener ces principes du vivant à nos enfants, à l'école, à l'éducation nationale. Et oui, l'éducation nationale, on a besoin de votre aide pour ça, les amis. Pour moi, ça fait vraiment sens, si on veut vraiment changer notre monde, d'amener tous ces principes de gestion des émotions, de stress, d'intelligence émotionnelle et surtout de la compréhension des principes du vivant à nos enfants. Donc, je vous invite à aller voir sur notre page Tipeee, Life Force, David Tan, les amis. C'était un plaisir de vous retrouver. Demain, j'ai ma conférence d'ailleurs sur l'hormèse qui est au sommet de la conscience. Je vais vous mettre un petit... vous pouvez aller voir en fait, ce sera plus simple dans le dernier post Facebook ou Instagram si vous êtes sur Instagram, sur la page, toujours Life Force David Tan, vous aurez le lien si vous n'êtes pas inscrit au sommet de la conscience. Il y a vraiment des intervenants de qualité, on est 40
et j'ai la chance d'en faire partie. Et demain, c'est ma conférence et il y aura un petit live avec Anna Sandrea demain soir sur Facebook. Il y a énormément de monde, il y a plus de 400 000 inscrits, je crois. Mais en tout cas, ça vaut le coup, les amis. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve dimanche soir en pleine forme. Ciao, ciao, prenez soin de vous.